Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Des hommes armés attaquent Bassalogo dans la région stratégique de Kaya. Des hommes armés ont assiégé dimanche 10 juillet la ville de Bassalogo, 45 km au nord de Kaya, obligeant l'armée à battre en retrait. Mais l'arrivée de l'aviation et du renfort a permis de repousser les assaillants. 5 civils dont un enfant tué, des soldats blessés, un important de l'eau, de matériel emporté ou détruit par les assaillants. Lundi, les assaillants sont revenus sur place avant d'être une seconde fois repoussés. Cette attaque dans la commune très stratégique de Bassalogo inquiète les populations de la région, surtout celle de Kaya. Selon les témoins, ces hommes armés qui ont fait éruption une deuxième fois à Bassalogo avaient des appareils de musique sur leur motocyclette. C'est avec ce matériel qu'ils font leur prêche, certainement, fait savoir nos ressources. Les assaillants ont encerclé la commune et ont commencé à tirer. Mais l'arrivée des forces de défense et de sécurité en renfort a permis de leur repousser. Tout le monde cherchait à regagner la ville de Kaya à une quarantaine de kilomètres selon notre source d'information. Si Bassalogo cède, les derniers villages environnants vont forcément se vider. Ces villages ne peuvent pas faire de la résistance. La peur règne à Bassalogo et la ville de Kaya est menacée suite à cette nouvelle attaque, soutient un habitant de la région. Selon une source sécuritaire, toutes les localités sont menacées. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite note d'information. Qu'en pensez-vous de cette attaque de la ville de Bassalogo? Laissez-nous vos impressions en commentaire, notamment si vous avez trouvé cette petite bloc d'information intéressante. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye!